fait, on, quand la pierre est encore complètement lisse, on fait frotter de la lame pour avoir à un sec comme ça. À sec pour avoir juste un petit sillon l'entrée, dans l'entrée. Ouais. On peut mettre 2-3 fois comme ça. Pour l'apport d'eau, donc on a cette technologie absolument appropriée et conçue pour. Donc en général, on apporte de l'eau. On va peut-être pouvoir entendre un petit bruit des écoutes. Donc bon, pour les mesures de quantité de sol, c'est la cuillère à volume à peu près normalisé au pifomètre. Quand on mesure la masse ensuite. Alors on le dépose, ce qu'on a remarqué, c'est que donc on peut le enfin, j'arrive pas à aller assez près, c'est toujours un petit peu la galère. Sur l'entonnoir. Ouais, ça pourrait le faire. Ouais. Ce qu'on a remarqué, là la pierre est très poreuse, donc je sais pas si ça fonctionnera. Mais on met du sable des deux côtés de la pierre. Et ensuite en mettant de l'eau d'un seul côté, ça emmène naturellement le sable. On entend le bruit des coupes. Donc en temps normal, là le matériel est ailleurs, mais on a un énorme. On a sauté le micro. Il y a un pont ici, le pont directement au niveau de la découpe. Voilà, il y a les pierres locales qui servaient pour les murs, et puis ensuite tout ce qui est marbre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on était quand même dans des bâtiments assez prestigieux. Ça veut dire que le marbre était utilisé en plaques minces pour des plaquages, mais aussi, et ça, on ne le voit pas, on le voit que dans des bâtiments vraiment de prestige, comme on dit, en grand appareil, c'est-à-dire des grands blocs, des fûts de colonnes, quelques grands blocs. Et visiblement, il y a des choses qui sont arrivées déjà sous forme de plaques, parce qu'il y avait un commerce très développé à l'époque romaine de carrières, à partir des carrières qui se trouvaient tout autour de la Méditerranée, essentiellement Italie, Grèce, Turquie, Égypte et Afrique du Nord et Tunisie. Et donc beaucoup de pierres de plaquage arrivaient déjà découpées, ou en partie découpées. Mais il y avait bien sûr des blocs de grands appareils qui arrivaient et que certains étaient débités sur place. Et l'intérêt du site de la rue des Farges, c'est que visiblement, il y a eu du sillage sur place, en particulier du blanc qu'on peut imaginer venir de Carrare et du jaune qui venait de Tunisie. Voilà. On a ces deux marbres-là, vu les traces de taille qu'on a retrouvées, les tressis, de Chemtou. Oui. Après, les autres, il est probable que les porphyres verts, les porphyres rouges, qui étaient vraiment des matériaux très coûteux, qu'on utilisait en plaquage, arrivaient déjà sous forme de plaques. Donc ils avaient du sable fin. Et ce sable, il faut savoir que quand vous le récupérez à mi-hauteur, par exemple, il n'y a pas des blocs non plus de 3 mètres de haut. Hein, faut pas que, je pense que quand ils avaient un bloc d'un mètre 50, c'est le maximum. Hein. Donc ils sciaient ça. Quand ils arrivaient à milieu du sillage, c'est là, on a quand même, plus on scie, plus on a de la boue. Et donc ils récupéraient le sable parce qu'il était écrasé, un peu mélangé avec la boue, pour polir les plaques. Les plaques, ils les frottaient l'une contre l'autre avec ce sable de récupération qui était encore abrasif, mais déjà un peu abîmé, quoi. Et plus on frotte, plus s'écrase, et on arrive à un aspect, ce qu'on a, le poncé. Le poncé, c'est la pierre ponce. Les grésés, c'est avec le grès, hein, les grès jaunes, le grès rouge et le grès vert de Gotland qui venait d'Angleterre, pour faire ce qu'on appelle la finition égrésée, c'est-à-dire qu'on en voit encore les traces, mais c'est déjà plan et fin. Après, on ponce avec la pierre ponce, donc on a un polymat. Et pour avoir un poly brillant, donc ce que je vous expliquais, vous mélangez de la cire d'abeille que vous faites fondre avec de l'huile d'olive, et puis on concasse, je vous en emmener un os de sèche, on frotte ça, on pourra faire l'expérience, je vais vous le laisser. Vous ferez l'expérience, je vais vous expliquer comment on fait, et on fait un poly brillant. Et en même temps, on nourrit la matière, quoi. Aujourd'hui, on a tous les produits d'hydrocarbures qui remplacent tout ça de l'industrie. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui va être stable. Par contre, et là j'ai vu avec Greywe, c'était l'archéologue allemand qui avait fait sa reconstitution de modèle de scie hydraulique. Lui, il me disait, par rapport au ballon justement de la lame, qu'en fait, il était possible d'avoir, ce que vous m'aviez dit aussi, un système de cliquet pour descendre à chaque fois. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on n'a aucune trace de ce principe-là. On sait que les crémaillères existent dans l'Antiquité, ils en servent beaucoup même pour les machines de guerre. Par contre, on n'a aucune trace sur ça, parce que les seules choses qui nous restent sur ces prototypes, c'est effectivement de la pierre, enfin c'est des socles en pierre. Alors, bonjour à tous. Bonjour, nous sommes en direct donc à l'école centrale, où nous avons fait des réglages sur la scie hydraulique avec la nouvelle promo. Elle dit bonjour, la nouvelle promo. Enfin, la nouvelle promo, la promo Covid, quoi.
Et donc la scie tourne. Alors, ce qu'ils ont fait comme modif, on va commencer par Théo. Donc, vas-y, raconte-nous les modifs. Alors, les modifs, on a changé un peu tout ce qu'il y avait ici. Parce qu'on avait des problèmes au niveau des guidages des paliers. Ouais. Et donc, il y a Bertrand Hou qui a replié les paliers pour que ce soit le bon diamètre. Alors, les paliers, c'est quoi exactement? C'est ces pièces-là, c'est les pièces en métal là, qui bougent un peu. Oui. Et donc là, maintenant, elle sert bien l'axe pour que l'axe ne bouge pas. Quoi. Là, on a une belle rotation qui est continue, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de jeu. Nickel. Et donc là, on a une bien meilleure transmission. Et aussi avec la courroie qui est là. Avant, il y avait la poulie qui bougeait comme ça. Et donc la courroie se baladait. Donc on a résolu ça avec... En plaquant en changeant complètement les comment on l'a fixé sur l'axe, en mettant des tiges filetées et en mettant une plaque en matériau polymère qui sépare bien la poulie de l'axe. Ok. Et donc il restera la lanterne, c'est-à-dire la structure du milieu à remettre avec l'engrenage plus tard. C'est ça. Ok. Et pour l'instant, il n'est pas nécessaire parce que ça tourne tout seul. Ouais, ça se voit. Et donc c'est une sorte de pâte en fait